Oui, clairement, face à des Girondins habitués jusqu'ici à jouer le maintien. Oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, Bordeaux-Bègles, avec un match en retard, peut là aussi viser vers le haut du classement. Comment l'UBB a salué jusqu'ici pour son jeu totalement décomplexé aborde-t-il ce nouvel objectif? Élément de réponse avec Jérôme Pinault et Philippe Fleiss. Les Bordelais marchent vers l'inconnu. En cas de victoire, ils endosseraient le statut de favoris pour jouer les phases finales. Une première pour ces joueurs habitués à l'anonymat des équipes mal classées. Deux objectifs, battre Clermont, le leader du top 14, et ne pas décevoir les 30 000 spectateurs. Faire tomber la pression avant le coup d'envoi, le travail des entraîneurs de Bordeaux. On va rentrer en ce match, j'espère, de plein pied pour pas avoir de regrets à la fin. La crainte des entraîneurs se confirme dès les premières actions. Pierre Bernard, sur cette pénalité ratée de James, commet un en avant dans l'en-but. Rebelote quelques minutes plus tard avec cette maladresse de Henny Adams. Bordeaux est fébrile dans tous les secteurs de jeu. On a été peut-être touché par l'événement. On a eu du mal à rentrer en cette partie. Clermont n'est pas non plus à la fête avec cet en avant de Debatty. Mais le leader a de l'expérience et il sait éviter certains pièges. James, c'est pas terminé pour les Clermontois. La percussion de Debatty, maintenant Debatty stoppé par Clarkin et par Taleboula. À moins de 10 mètres de l'en-but de Clermont. Butin éjecte la crampe, le crochet du demi de mêlée de Clermont. Avantage terminé. Pris quasiment sur la ligne, il n'y a plus d'avantage. Butin pour y aller tout seul. Jean-Marcelin Butin en force, il est stoppé. À 1 mètre, Paolo, James, Brod, James pour Vermeulen. Taleboula qui défend et Vermeulen qui s'écroule. Derrière la ligne. À la mi-temps, Bordeaux est mené 13-9, mais ne panique pas. Les entames de match, on a gâché déjà quelques-unes cette année. Le mi-temps, on peut dire moyenne, on l'a fait déjà, mais avec la victoire au bout. Donc, on a dit, si on reste fidèle à notre jeu, il faut qu'on retrouve un peu de confiance. Ça peut passer. Bordeaux sort alors sa botte secrète. Taleboula, le meilleur marqueur du championnat. Le côté fermé. Chalmers pour Taleboula. Taleboula qui sollicite le ballon. Qui compte bien suivre pour lui-même le sprint de Taleboula. Le ballon qui longe la ligne de touche. L'onzième essai de Taleboula. L'onzième essai de Taleboula. Incroyable joueur. Et un destin incroyable. Il y a deux ans, Taleboula avait signé à Clermont. Mais Bordeaux, au dernier moment, a réussi à le faire changer d'avis. Question de climat. Je suis arrivé directement des Fidji à Clermont. Les températures étaient très basses. Il faisait très froid. Je suis reparti jouer un tournoi de rugby à 7 aux Fidji. Et j'ai découvert le climat de Bordeaux. C'était comme chez moi. Oui, du soleil, la mer et la même population. Le score 19-16 en faveur de Bordeaux-Bègles. Il reste une minute à jouer. Avantage en cours pour Bordeaux. Au lieu de temporiser, les Bordelais jouent au large avec le risque de se faire contrer par Clermont et de perdre le match. Sur le bord de touche, je crie souvent jouer parce que je pense que c'est la solution, mais que les joueurs soient imprégnés à ce niveau-là. Blair Connor, le seul truc qu'il me dit, c'est si je le prends, il y a essai, donc il ne pensait pas que pour lui c'était un risque, c'est une prise d'initiative. C'est repris maintenant par Gerard Vosloo. Fin de match complètement folle avec 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. Nouveau turnover, le ballon. Et pour les Clermontois. Enfin, s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont remplir le stade en permanence, hein, les joueurs de Bègles de Bordeaux. C'est un petit peu déjà ce qui se passe. Deux minutes, moins de deux minutes. Nakai Tassi, James, le petit par-dessus de James pour Rougerie. Le rebond n'est pas favorable. Le ballon revient dans les mains de Bordeaux. Adam pour Taleboula. Et Taleboula va y aller tout seul. Taleboula, le doublé de la victoire de Bordeaux-Bègles. À moins d'une minute de la fin. Sur une action folle avec plusieurs turnovers. La ténacité du président de Bordeaux a payé. Et je me suis mis tout de suite dessus et comme un pitbull sur un os, j'ai pas lâché quoi. Je me rappelle qu'on m'avait envoyé la photo de lui en train de signer et malgré tout ça, j'étais pas soulagé. Je disais que je serais soulagé quand on irait l'accueillir à l'aéroport. Il est arrivé et il fait partie de ces joueurs d'exception dont on a besoin dans une équipe pour gagner des matchs. On l'a vu encore aujourd'hui, malgré tout le courage des 15 garçons, c'est lui qui décante la situation, sans quoi on n'aurait peut-être pas gagné aujourd'hui. Score final 26-16, première victoire des Bordelais face à Clermont depuis leur retour dans l'élite. Un succès qui leur permet de voir plus grand, même si leur manager reste prudent.
On est toujours entre deux eaux dans ce championnat hyper serré, donc c'est évident que l'idée même d'un top 6, ça me fait ni chaud ni froid, sincèrement. On va surtout s'attacher au contenu. J'ai trouvé l'équipe très nerveuse, empruntée en première mi-temps, et la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Ils sont parvenus vraiment à faire honneur à l'identité de cette équipe qui est courageuse, qui est persévérante. Un match comme ça, ça va leur donner confiance. Les Loups de Bordeaux ont les dents longues. Il faut maintenant écrire la suite du scénario.